bandages. Donne-moi plus de bandages. Et comment va Frank? Il se bat. Mais tout a disparu. L'eau, les médocs. Je vais les tuer. Je vais tuer Williams et Waltz. Comment ils ont pu faire ça? Psychopathe. Ouais, ça sent pas bon. Aiden. Je suis là. Tout ira bien. C'est ça, arrête tes conneries, Aiden. Promets-moi, peu importe ce qui se passe, promets-moi que la One sera... Elle sera en sécurité, Frank. Je te le promets. Frank. Oh, Frank. Frank? Frank? Frank! Bats-toi! Salaud! T'es un traceur nocturne, putain! Frank t'a promis de jamais me quitter. Lawan, où est-ce que tu vas? Je rentre chez moi pour me préparer. Je vais tuer William et Waltz. Adieu, Frank. Ouais, pas trop près quand même, hein. C'est bizarre, là. Ok. C'est quoi la mission du coup là? Bah là on va sortir, on va voir. Déjà, Dieu Franck quoi. Oula, il y a du beau monde ici. Jack, bonjour. Et le conducteur? J'ai besoin de temps, Aiden. On n'a pas le temps, Franck est mort. Et Lawan? Elle part après le boucher, toute seule. Elle quoi? Non! Tu peux pas la laisser faire ça, Aiden. Si elle part maintenant dans cet état, elle va ruiner mon plan. J'ai juste besoin de plus de temps. Je crois. Arrête là et attends mon signal. T'as intérêt à grouiller. C'est là où je suis, hein, si jamais. C'est là où t'es? Ouais, regarde, il y a là, le point. C'est là. Juste là. Là, tu peux monter à droite. Tu peux pas sauter comme ça, direct? Je crois pas, j'avais déjà essayé une fois. Mince. Lawan, t'es là? Je suis là. Tu peux pas aller à la forteresse, Lawan. Tu bois un coup? Je suis juste venu ici pour te supplier de pas bouger. C'est tout. C'est tout? Sois juste un ami, Aiden. Tu peux juste t'asseoir ici avec moi? Frank, où tu sois, celui-là est pour toi. Difficile de trouver une meilleure façon de se souvenir de lui. Quand tu dis ça comme ça, c'est effectivement très très triste. Bois maintenant. Lawan, c'est pas sûr pour toi d'être près de moi. Tu sais que je peux pas le contrôler. Quand j'étais avec Jack, j'ai failli me transformer. Je me débrouillerai avec Waltz. Tu sais que c'est entre lui et moi. Il me dira ce qui est arrivé à Mia. Comment arrêter ma transformation. Puis je partirai. Donc c'est là qu'on se dit au revoir. Plus ou moins. Peut-être pas. Arrête de me raconter n'importe quoi. Il y a des lampes UV ici. Tout va bien pour moi. Je veux juste clarifier un truc, Aiden. Un seul truc. Je pars avec toi. On les tuera ensemble. T'auras ta vengeance. Alors ne me prive pas de la mienne. On dit quoi du coup? Parce que là, elle est un petit peu bourrée. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée quand même qu'elle vienne avec nous. Bah ouais, moi j'ai peur que ça finisse mal du coup. Hein. Ah, mais dans tous les cas, c'est pas en mode accepter ou quoi. C'est genre en mode essayer de la convaincre ou alors juste mettre fin et ne pas accepter. Bah on va quand même essayer de la convaincre alors. Oui, vas-y. Parce que si on fait juste non, c'est mort, bah du coup, elle va faire une bêtise, je pense. Lawan, tu dois te tenir à bonne distance de la forteresse. Pourquoi? Parce que ce putain de Jack l'a dit? On va les choper. Mais pas aujourd'hui. Pas comme ça. C'est trop risqué.
Tu mourras là-bas. Et qu'est-ce que ça peut te faire? Hein? Épargne-moi ton... Oh, peu importe ce que c'était. T'as le droit d'être en colère. Et toi, t'es qui, putain? Salut, monsieur Bouddha, capitaine à la con du yoga de l'illumination. C'est un plaisir de te rencontrer. Maintenant, ferme-la. Et rends-moi mon ami. Tu parles de moi? Ou de la bouteille? Je veux pas que tu te fasses tuer. C'est tout. Aiden, arrête de faire comme si t'étais mon père. C'était le rôle de Frank. Ça va me manquer, il me manque. Ouais, je sais. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir peur? Genre, vraiment peur. Qu'est-ce que tu veux dire? T'as jamais peur que ce soit inutile? Qu'après tous ces efforts, tu retrouves pas ta sœur? Que tu la retrouves jamais? Ce qui m'inquiète le plus, c'est ce en quoi je suis en train de me transformer. Que je devienne un monstre. Comme ceux qu'on combat. Tu deviendras pas un monstre. Jamais. Donne-moi ta main. Je vais pas te mordre. Enfin, pas trop. Tu te souviens? Oula. Fais quoi, là? Bah dis-lui, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, là? Pourquoi faire, Lawan? Allez, Aiden, donne-la-moi. Bon, au final, on lui donne quand même, alors. Hein. Oui, bah oui, dans tous les cas. Tu vois, t'es comme mon frère. Tu me feras jamais de mal. Ah oui, d'accord, ok. Tu ne deviendras jamais un monstre. Jamais à mes yeux. Bref, t'inquiète pas. J'irai pas à la forteresse. Tu peux te détendre maintenant. T'es sûr? Ouais. Je suis dingue. Mais pas aussi dingue que tu crois. J'attendrai. Ce vieux bâtard grincheux n'arrêtait pas de dire « Je suis le futur des traceurs nocturnes. » Il reviendrait d'entre les morts et me tuerait si je faisais quelque chose d'aussi stupide. À Frank. À Frank. Aiden? Ouais? Je suis bourré. Sans blague. Je suis triste. Allons gentiment de bordée. Ok. Tu me laisses pas toute seule ce soir, ok? Reste. Reste juste avec moi. Ok. Et là, on va se réveiller, on l'aura tué. Allez hop, next. Allez hop, suivant. T'imagines? La scène infâme. Ça me ferait mal au cœur, là, quand même. Ouais, là, un peu. Je pense qu'en nouvelle mission, on va tuer Hector, hein, sans doute. Bah, je pense surtout que Hector, au réveil, il va dire que c'est nous qui l'avons mis dans cet état, quoi. Bah, je pense aussi. Tu sais que je l'avais plus ou moins dit, en plus, quand on l'avait soigné, j'étais en mode ça va se retourner contre nous, tu vois. Je ne pouvais pas rester. Désolé. T'es parti quand même? Oh, Lawan! Bon, ben, ça sert bien d'essayer de la convaincre, tiens. Aiden, tout est prêt. Le conducteur t'a... Son camion est garé devant le vieux centre commercial sur Garrison et Riverrand. Lawan est parti après le boucher. Quoi? T'étais censé l'arrêter. Ça sent pas bon. Si elle se fait attraper, le plan tombe à l'eau. Ils vont la tuer. Quand tu veux, ok, écoute. Entrer là-dedans est extrêmement difficile. Même si elle le pouvait, ça lui prendrait du temps. Bouge-toi le cul et trouve le conducteur. J'arrive.
Oh là là, ça va être compliqué cette histoire. Hein. J'aurais nous tout réglé. Lawan. Ah merde. Non mais pour revenir au problème d'Aitor, du coup là, c'est vrai que c'est un petit peu la catastrophe. Non, tu crois? Bah légèrement, hein. Après, techniquement, on est quand même sauvé la vie derrière, tu vois, donc peut-être il va comprendre. On était en bon terme quand même. Peut-être qu'il nous a pas vraiment entendu parce qu'il était en mode c'est quoi ce truc et tout. Ouais. C'est jamais, hein. Bah après, en fait, le truc c'est de savoir est-ce qu'on lui a mis un taquet après pour qu'il se rendorme ou pas, parce qu'il a été retrouvé quand même dans un état. Bah, c'est ça le truc, c'est que moi je pensais que c'était quand même Volt qui l'avait mis dans cet état et que nous on avait tué les autres trucs, tu sais, les Renegades. Ouais. Mais au final. La forteresse du colonel. Attends-moi là-bas. Reste en retrait et ne t'attaque pas au boucher avant que j'arrive. Tu m'entends? Elle est pas beau. 60 mètres, on est quasiment arrivé. Oh! Oh bah, je me suis tué. Bah, ça faisait longtemps. Ah. Le saut de trop. Ah. Oh, je vais faire une TP rapide. Hein. C'est un petit peu voilà. Le nouveau truc, ça. Ok, Ah, c'est chiant que ce soit pas là. Il y a, en gros, là, je suis derrière une voiture qui était devant un garage. Et en gros, ben, c'était la quête, c'est de trouver la voiture. Et en fait, elle est juste rentrée au moment où je suis arrivé derrière et le garage s'est fermé. Donc là, il faut rentrer dans le bâtiment en gros. Oh non, il n'y a pas de TP. Et du coup, pour l'instant, je vois pas de TP. Essaie de revenir, hein. De toute façon, t'es pas si loin que ça. Je suis à 200 mètres. Justement, je me suis approché en me disant, tiens, il y aurait peut-être la TP, mais. Alors, peut-être que là, tu vas en avoir une, non? Ah, là, vas-y. Ça y est. J'arrive. Ok, si vous continuez le scénario principal, vous déclencherez l'épilogue. Assurez-vous d'avoir bien réglé toutes vos affaires en cours dans la ville avant de continuer. Oh! Est-ce que t'es prête? Oui! Est-ce que t'as réglé toutes tes affaires en ville? Oui! Y a rien. Est-ce que t'as bien acheté tes chaussures? Ouais, c'est bon, j'ai des bonnes baskets. Alors, dans ce cas, on est parti. Ah oui, c'est long. Mais parce que ça me le dit à moi aussi maintenant. Il faut que j'entre là-dedans. Hé hey, on a un intrus. Oh, moi je cours, hein. J'ai une compétence à monter, moi. Ah bah tu la feras plus tard. Moi aussi, mais non. Non, ma compétence. Oh, il y a trop de monde. Ma compétence. Ah. Ça me fait à peur. À monter. Non, mais le mec, tu sais. Mais ma compétence. Attends, je regarde quand même, parce que ça a l'air important. T'es un fou, t'es pas en train de regarder. Que je te suis, mais totalement, je regarde. Du coup, je fais le même détour que toi. C'est par où? Au-dessus. Ok. Au-dessus, j'ai dit. Oh mince, j'avais pas vu le trou. Voilà pourquoi je te suis. Oh là là. Quoi, c'est full rapace? Oh non, elle m'a pris ma corde. Comment ça? C'est où, objectif mis à jour? En dessous. Il y a un escalier si je... Ah, j'ai sauté, hein. T'as raison. Mais non, t'es pas en train de looter, quand même. Tu sais, ça met deux secondes. Je peux pas ouvrir. Il faut attendre que tout le monde soit là. Quoi? Ah non, ça me dit que vous pouvez pas utiliser à proximité de quoi? Les ennemis, ouais. Et on avait pas ça tout à l'heure. Oups. Non, mais par contre, calmez-vous là, monsieur. Ils m'ont foutu à terre. Oh. Faites très attention, hein. Je suis en attente de Réa. Attends, ok. J'ai un petit cadeau pour toi. C'est parti! Ah, y'a pas beaucoup de temps. Prends ton temps, hein. Ah, mais en fait, c'est que je me dépêche parce que je veux te faire et. Non, de toute façon, je suis en attente de réanimation, y'a pas de cooldown. Hein. Ah, ouais, okay, y'a que voyez, ça. Moi, je peux pas me tuer. Nickel. J'avais un petit peu froid. Quel combat palpitant.
Oh oh. Mais non, j'ai pas pu esquiver, il a sauté. Oh mince. Non, en vrai, j'aurais pu les gérer, mais au début, je me suis dépêché de ouf parce que je voulais te relever et du coup, j'ai pris tellement de coups gratuits. T'aurais pas dû. Bah, je pensais que c'était limité en fait ton temps parce que je voyais le timer moi, au-dessus de ton truc. Du coup, j'ai mal joué. Par contre, l'esquive à la fin, il fait un saut latéral au lieu de faire une esquive, je suis trop dead. Ouais, bon, maintenant, on le sait. Ouais, tu es à côté les... des ennemis. Fous ta bec, hein. Aïe, mais. C'est des esquives, quoi. Allez-y, venez, venez, venez. Touché. J'ai loupé. Goûte à ça, tu. T'es à moi. Mais non, j'ai fait un gros coup avant. Mais je l'ai touché en fait en même temps, ok. C'est bon, bon. Les deux autres sont morts, c'est bon. Ouf. Hop. 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 Allez, on y va? Ouais. Nickel. Ah, c'est le problème de pas savoir les phases où t'es obligé de te battre ou celles où tu peux passer vite. C'est ça. Il est stylé, lui. Moi, j'aime beaucoup son masque. Ouais, c'est ça. Ah, lui, fais gaffe, on en a bien. J'aurais peut-être dû me soigner à fond. Ah, ok, il y a des... On peut les balancer dans des pics sur les piliers, là. Ok, j'arrive. Ok, moins un ici. Ok, je vais aller chercher l'archer, moi, au-dessus. Histoire qu'on se fasse pas avoir par les flèches. Ah mince! Il y a un cracheur de feu là-bas derrière, non? Ok, encore un mort. Allez, viens, toi, monsieur le grand! Ok, je me fais tous les archers là. Oh là là! Il est mort direct, le grand, je te le dis. Ça carie tellement. Bam! Ah oui, c'est vrai, tu peux leur éclater la tête. Ah, t'inquiète! Ça envoie du lourd, hein. Ok. Oh, okay. GG. C'était propre, hein. Ah, ça marche bien. Dès qu'on a des pics là sur des piliers, c'est incroyable. Du coup, vu qu'on est sur l'épilogue, est-ce que tu veux qu'on fasse un épisode pour toute la fin? On peut, hein. Après, il y a moyen que ce soit quand même long, hein, même t'as si c'est un écran noir. Oui, pareil. Mais il y a un petit son, donc je me dis qu'il va se passer un truc. Ah, moi j'ai pas de son. Ah. Me touche voilà. Pas. Sors d'ici. Fais-moi entrer dans la forteresse. Toi ? Mais t'es dingue ! Contente-toi de conduire. Dis-moi que tout va bien. Je suis là, mes salopes. Quoi de neuf? Vous vous demandez ce qui m'a pris aussi longtemps? T'es en route? Hein? T'es en route? Non, pas vraiment. Enfin, parce que... j'arrive. Tout va bien. Et ne cours pas encore de mot de passe, hein? Parce que cette fois, on t'explosera la tête. Super. Je vous aime aussi. Pourquoi pour toujours qu'on bosse qu'avec des crétins? C'est quoi le mot de passe? Trois klaxons. Non, attends. 4 Non 3
Oh là là. La galère. Il y a intérêt que ce soit ça. Ok, on est mort. Non, mais le mec. C'était moi une. Écoute-moi bien, Steve. N'essaie même pas d'avertir quelqu'un. Bon, là, c'est le point de non-retour. Hein. Clairement. Fais profil bas, m'oblige pas à revenir te faire du mal. T'as compris? C'est tout moi, le profil super bas. Ah oui, puis nous on est discret en plus, hein, ah vraiment. Non. Ouais, ce que j'allais dire, c'est qu'on se discrète là. Ouais, ouais, ouais. Bah, je crois que c'est foutu, hein. On va être. Si, si, viens, avec moi, tu passes par les fourgères. Oui, oui, mais je sais bien, mais. Je me connais. Oui, bah. Je sais comment ça va finir. Aussi. Genre là, lui qui me regarde déjà là. Il nous voit pas, t'inquiète. Viens. Il me voit totalement. Ah, mais il te total. Bah voilà. Oh, viens, cours au coin. Attends, je me heal. Peut-être pas le meilleur bail là. Hein. Ok, on va arriver. Ah, mais ils t'ont suivi. Bonjour. Je sais pas où est le point. Trouver la one, attends. Je vais monter. Bonjour. Oui, je suis un invité en fait. Bonjour, excusez-moi. Ah, oh, verrouillé depuis l'autre côté. C'est là où tu vas ou c'est là, là... Non, c'est pas du tout là. Je sais pas où c'est. Je suis sûr que c'est là-haut là, attends. Aïe. Au secours. Là, c'est fermé aussi là où tu vas. Oui, mais je vais aller looter en fait. Ah, je peux pas. En fait, ouais, là où t'es passé, je pense que c'est mieux. Je vais te buter. Non mais, foutez-moi la paix. C'est bon, je peux me heal ici. Tu trouves quelque chose? Pour le moment, pas grand-chose. Dis le mec qui est perché, tu sais. Attends, y a pas des traces quelque part? Ouais, tu me diras, des traces, alors peut-être tous les renégats, je pense que c'est mort. Hein. Non, mais ça, elle doit pas être loin. Hein. Mais on a plus de points là en plus. Non. Ah ça y est, je vois le point de nouveau. Ouais, je suis ressorti, là je re-rentre. Ouais, mais le point il est à l'intérieur du bâtiment, non? Ouais. Ah oui, donc ça se trouve c'est 100%... Attends, on peut monter à l'étage là. Mais quand t'es à l'extérieur, il y a un bâtiment que tu peux ou sur lequel tu peux monter, j'ai l'impression. Non? Attends. Il y a vraiment du monde, hein. Je pense que c'est pas le bon bail de me battre avec tout le monde. Non, mais fais pas ça. Hein. C'est ce que je faisais, mais je peux arrêter. Ah ouais, tu me dis escalader peut-être d'extérieur. Ok, ouais, peut-être passer par là. Ah, pourtant, le point il est vraiment dedans. Hein. Je pense que. Ouais, mais je me dis qu'il y a pas un moyen de. Déjà, on est un peu plus tranquille. Oh, tous les gens! Oh là là, je vais essayer de les mettre dans l'eau! Oh. Si tu les prends de dos, tu peux les jeter dans l'eau aussi. Oh, il m'a fait voler celui-là par contre. Attends. Oh, fais attention, fais attention. Oh merde. Ils veulent pas tomber dans l'eau là, ceux-là ? Je comprends pas. Mais attendez. Dans l'eau, ils remontent, hein. Sérieux ? Bah ouais, je crois. Bon bah, on va recourir dedans. Je sais pas. J'ai envie de les finir quand même. Ça dépend, c'est ceux de dedans qui sont sortis ou pas ? Mais je sais pas. Parce qu'il y a l'archer derrière. Agace.
attention, il y a un peu de feu. Ouais, je vois. Bon, l'archer, par contre, il m'insupporte. Hein. Ouais, je... C'est bon, l'archer, il est mort. Ah ouais, mes flèches là-bas, on s'en va pas dégueu. Ils sont tous morts, là, on a clean. Bah ouais, franchement... Et bah voilà. J'avoue que l'arc, quand c'est du monde comme ça peut être pas mal si tu trouves un petit spot en hauteur tranquille, comme à l'intérieur, en vrai. C'était quoi, des flèches de feu que t'avais? Non, juste des flèches normales. Non, c'est la mollo, ouais, le feu que t'as vu. Ah, mais là, il y a une échelle. Il y a une échelle, là, à l'intérieur, là. Ouais, voilà. Ouais. Du coup, je pense que c'est ça qu'on va... Ah, mais non, on peut pas rentrer, en fait, dedans. Alors, peut-être qu'avec les questions là-haut... Non. Qu'est-ce qu'on a pas vu, là? Attends, dans cette salle, là. Là, c'est verrouillé de l'intérieur. Là où je suis, viens. Il y a une trappe. Ah, bah voilà. Ah, bien vu. Il y a une note, ici. Ouais. Bah, de suite, quand on a plus la pression des gens, bah voilà. Là, on comprend mieux ce qui se passe. Oh là. Ok, c'est peut-être par là, hein. Ah, là. Ouais, je prenais un peu d'heure, quoi, tant qu'il y avait ça. Et là, il y a l'échelle. La fameuse qu'on a vue de l'autre côté. C'est parti, hein. Bon, on a été plutôt discret. Franchement, ça a bien tenu. Il y a l'échelle là à gauche, si jamais. Ah, et là, il y a une porte à ouvrir. Ah. Ok, c'était sûrement la porte, alors. Il sait que tu arrives. Bien. Je veux qu'il soit prêt. Lawan, j'ai essayé de te joindre. Ah, vraiment? T'as promis que tu prendrais pas le risque. Eh bien, les gens changent d'avis, Aiden. Faut que tu t'habitues. Ces trous ducs sont sur ma liste noire. Le numéro 1 avec un carreau d'arbalète. Donc, maintenant, je pars m'en occuper. Est-ce que t'es avec moi ou pas? Mais oui, allez, let's go. Mais hé, le combat. Oui, allez, on va les tuer ensemble parce que c'est bon. De toute façon, elle voudra pas nous écouter sinon, on est d'accord? Ouais. J'avoue que l'autre, il a dit le colonel doit pas mourir. Mais nous, on s'en fout en fait. Allez, tuons-les ensemble. Non, on s'en fout, nous la baston, hein. Allez, on y va. Avec la One. Partons après eux. Ensemble. On doit encore laisser entrer les hommes de Jack. Les cloisons. Les commandes sont dans cette salle. Vas-y en premier. On devrait pas trouver le colonel avant d'abaisser les cloisons. Lawan ! Bon sang, mais qu'est-ce que tu fais ? Lawan ! C'est pas possible. Je refuse de perdre encore plus d'amis. Maintenant, c'est entre eux et moi, Aiden. C'est elle la première hein, qui nous a dit « Oui, faut vraiment que tu t'en occupes et tout. » Et maintenant, parce qu'elle a perdu l'autre, là... Lawan ! Tu fais une énorme erreur ! Réponds-moi ! Allez, Lawan, je t'en prie. C'est du suicide, Lawan. Laisse-moi t'aider. Bon, bah... Ça va être baston, hein. Bah écoute, ouais, il y a deux sorties, par contre, c'est là, ok. Lawan, attends. Et tu es Aiden, je suppose. Ravi de te rencontrer. Te mêle pas de ça, Aiden. Comme tu peux le voir, nous avons une sorte de confrontation. Rappelle tes hommes, Williams. Pourquoi? Pour que tu puisses me tuer? Crois-moi, tu veux pas me tuer. Si tu le fais, tu n'arrêteras jamais le prochain tir de missile. Ferme-la, Trouduc. Mais de quoi est-ce que tu parles? Laisse partir ma femme, je pourrai tout expliquer. Je te laisserai pas ici. Lawan? Quel est le prochain tir de missile dont tu parles? Le protocole de sécurité intégré que j'ai arrêté il y a des années a été réactivé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que des bombes seront larguées sur nos têtes pour détruire la zone de contamination, comme dans les autres villes. C'est pas encore fini. C'est des conneries. Ouvre les barrières et laisse entrer Jack. Vous pensez que Vildor a survécu par accident? Tue-moi et tu pourras jamais arrêter l'attaque, Aiden. Bah moi je pense qu'il dit vrai en plus, c'est ça le pire. Mmh. Bah moi aussi je pense. Même l'autre le disait, et autant bon, j'aimais pas trop le personnage, autant je pense pas qu'il ait menti. Autant j'ai plutôt envie de dire... Ouais, vas-y. Si elle baisse son arme, tu la laisseras partir. Quoi? Aiden, non! Je vous tuerai pas, c'est promis. Je veux pas d'un massacre ici. Moi je te crois pas.
Je le crois pas, Aiden. Ils veulent nous tuer tous les deux. Abaissez les barrières. Bah, on continue, hein, du coup. Hein. Bah oui. On peut pas prendre le risque. C'est des conneries. S'il a raison, ça ne concerne pas que nous. D'autres personnes vont mourir. Tout le monde mourrait. Frank serait d'accord avec moi. Frank est mort à cause de lui. Toutes ces personnes, sur ses ordres, Aiden. Il aurait pu tout arrêter. Il faut qu'on arrête Waltz. Pas Williams. Je peux pas faire ça sans toi. J'espère que t'as raison. Elle a pas tort, hein. Les renégats, ils ont attaqué les trucs gratuitement aussi, donc... Oui. Emmenez-la à l'infirmerie. Tu touches à un seul de ses cheveux et je vous tue tous. Compris? Tout ira bien pour elle. Maintenant, dis-moi où est Walt. Je sais pas grand-chose, juste qu'il cherchait un endroit appelé le X-13. Il en parlait comme si c'était sa dernière chance. Dernière chance pourquoi, j'en sais rien. C'est pour ça qu'il a remis le jus et enclenché le processus de sécurité intégré par Ricochet. Les frappes de missiles? Ouais, j'ai essayé de l'arrêter. Mais il a pas écouté, il a pris la plupart de mes hommes. Ok. Pourquoi est-ce que tu travailles avec Waltz? Pourquoi travailler avec ce taré? Il est aussi fou que brillant. Je voulais qu'il améliore mes soldats. Ce qu'il a fait. Ce que j'ignorais, c'est qu'il les retournerait contre moi et s'en servirait pour ses propres intérêts. Quels intérêts? Il m'en a pas parlé. Bon, comment on arrête ces frappes de missiles? Pour interrompre le protocole de sécurité, il faut la clé du GRE qui a servi à le lancer. Ah, Walt a pris la clé. Alors, pas de temps à perdre. Comment j'accède au X-13? C'est le principal complexe du GRE construit quand ils ont isolé la ville. Ils y menaient les opérations les plus secrètes. Tu y accéderas par le tunnel du GRE, dans la boucle centrale. Et Walt se dirige là-bas? C'est pour ça qu'il a envoyé des troupes dans le centre. En tout cas, c'est ce que laissaient entendre les notes trouvées dans ce quartier. Regarde toi-même, elles sont dans l'aile ouest. Pendant ce temps-là, je m'occupe du transport vers le X-13. T'as intérêt à te grouiller. Aiden, encore une chose. Je connais ce regard, fils. T'as été un de ses cobayes, c'est ça? Tu te transformes. C'est pour ça que je dois le trouver. Ok. Alors, qu'est-ce que t'attends? Je pense qu'on a eu raison de lui faire confiance, mais... Il est grand temps d'arrêter Waltz. La voix, elle va pas être contente. Hein. Ah non, mais clairement, elle va nous faire la gueule, ça c'est sûr. Ouais. Mais bon, au bout d'un moment... Comme d'hab, j'ai envie de dire. Oui. T'as appuyé sur le bouton? Bah écoute, j'appuie mais j'ai pas l'impression que... Ah mais rez-de-chaussée là c'était écrit. Ah, ça y est. Ah oui d'accord. J'avais pas vu ça. C'est la scène vraiment conne quand t'es dans l'ascenseur. Et là t'as fait clouc. J'avais vu qu'on pouvait appuyer sur plusieurs boutons. Je pensais que c'est une interaction générale. Quelqu'un? Ah là t'as une cassette, je peux si ça t'intéresse. Moi, j'avoue la que je cassette pas, aussi. Finalement. Ouais bah moi non plus. Ah il y a un... Il y a une enquête. Ouais là où je suis il y a une enquête. Voilà. Il travaillait sur quelque chose ici. Qu'est-ce que tu nous faisais espèce de taré? Là tu vois enregistrement numéro 3 de Waltz, là les cassettes ça peut être intéressant tu vois. Aiden, je t'ai trouvé un transport. Viens dehors. Du coup, on reprend l'ascenseur? Non, bah, on passe par là. Ouais. Ah, bah ça, c'était l'accès qui était fermé tout à l'heure quand on est rentré. Ouais.
Il y a encore tous les mecs? Ah non, il y a plus personne. Bah, je pense que oui, du coup, plus personne va nous attaquer là, c'est bon. Ouais, on va les inviter. J'avoue, on l'a bien vidé. Aiden, c'est Cillian. Cillian? Il paraît que tu cherches Waltz. C'est ça. Il se dirige vers les tunnels près de Tower Plaza Drive. Faut l'arrêter avant qu'il atteigne le X-13. En route. On n'est pas très nombreux, mais les traceurs nocturnes sont avec toi. Ah là, t'as un vendeur, ah, si tu veux. Cillian, je sais plus du tout c'est, par contre. Hein. Bah moi non plus. Attends, regarde le vendeur si ça t'intéresse. Oh, il a un marteau à 108 de dégâts. 108? Ouais. Ok. Combien? Une lame pyramidale à 123 de dégâts. Oh, elle a l'air tellement mieux, toi. Elle est trop stylée en plus. Ça, c'est acheté d'office, hein. Ah, attends, moi j'ai du vivant du C4. Il y a du C4 à distance niveau 3, là. Il a des mines. Mais moi j'achète. Ouais, parce que là, on sent l'épisode de fin, ça y est. Ah, on va commencer à équiper des gros trucs, ouais. J'ai plus trop de ferrailles, tu sais quoi, je vais en acheter un peu. Hop. Ils vont... bah tiens, hop, je vais prendre ça. Ah, attends. On peut pas la modéler, de toute façon. Mais par contre, bon, cette lame est pas folle. Après, là, j'ai des trucs cool. En vrai, je vais enlever cette lame. Je vais mettre celle-là à la place, je sais que c'est ma meilleure arme. J'ai toujours... l'arc qui est pas dégueu. L'arc, j'utilise pas du tout. Je suis en mode, est-ce que vraiment je le garde ou pas, quoi. C'est... on va utiliser celle-là qui est ma deuxième meilleure, du coup, pour les mobs. Et pour le boss, on prendra elle. Alors, attends, par contre, moi, je te conseille, dans les accessoires, là, maintenant, je vais changer. Je vais mettre chevrotine ouais, et tout. Faire. Allez, c'est parti. Aiden, le chauffeur te conduira à l'entrée du tunnel. Ça devrait t'amener au X-13. Et puis, à propos de ta copine... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Elle s'est enfuie. Elle a tué 3 de mes meilleurs hommes. J'ai aucune idée d'où elle est allée. Williams, si tu lui as fait du mal... Je lui ai rien fait. Je te le promets. Allez, vas-y. Le temps presse. Les prochains missiles vont bientôt frapper la ville. Donc, ils ont beaucoup de sessions comme ça où t'as des écrans noirs pendant une heure, là? Ouais, c'est très bizarre, hein. Ouais, ça m'a débugué, mais il m'a tué une petite cinématique qui montre la ville. Pour l'instant, il n'y a rien de fou. Je te réinvite juste après. Enfin, essaie de rejoindre, même, si tu peux. Ouais, on arrive en camion, quoi. Ah, le conducteur se prend des carreaux d'arba ou des flèches. Du coup, il est mort. Peut-être c'est la one. Oh, merde! Ah non, c'est pas elle. Je t'enverrai le rush au pire. Hé, hey, pourquoi t'es pressé? T'as pas deviné qu'on te suivrait? C'est pas le moment de régler ces comptes, Jack. Les renégats viennent d'entrer dans le nuage. Est-ce que tu vas les rejoindre? Je vais arrêter Waltz. Tu n'es rien d'autre qu'un traître pour moi. Tu es le traître! Ah, alors là, par contre, ça devient chiant. Tu peux me rejoindre ou pas? Là, ouais, je peux rejoindre tout de suite. Alors, rejoins tout de suite, ouais. C'est bon, t'es là? Ok, bah c'est ouais. Le moment de... De combat? Ouais, de combat, de combat. Non, je peux aller shooter l'archer déjà, comme ça, lui, ça se règle. Oh, joli! Mort ou pas? Oh mais attends, mais les coups chargés avec ça, c'est monstrueux en fait. Attends, je... La main est à moi. Te tiens.
Démarre, pauvre. Je te tiens. Ah, c'est dommage parce que... Attends, je vais aller me mettre un... Pas mal. J'étais bloqué, mais je le voyais plus. Tu pourras pas t'en sortir. Ça va, toi? Ouais, mais en fait, je me suis mis le point de compétence, j'en ai profité pour la écraser les têtes. Ah. Oh. Tu vois le marteau que j'ai acheté à 108, pas fou, trop lourd. Donc, met trop de temps à. Ah, j'ai pas encore testé, moi, mais bon. Je testerai pour le boss. Mais j'avoue que oui, entre les différences d'armes, ça joue pas pareil. Hein. Ouais. J'arrive à rien là, c'est fou. Après, la longe n'est pas la même non plus. Hein. Ouais. Bébé. Oh, joli. Ouais, sauf qu'ils m'ont rushé les autres et... J'ai l'impression que mon perso il gogolise là sur les moves là, sur cette phase. C'est horrible. Bah moi j'arrive à rien faire, hein, si vous voulez. J'étais pas assez prête mentalement, c'est pour ça. Allez, on est bon. Ah bah voilà, c'est propre. Bon du coup on est peut-être plus très très potes avec les pacificateurs. Et maintenant Aiden, il reste plus que nous deux, hein. Super l'entrée. Jack, on doit vraiment arrêter cette folie. Il y a des choses qu'on peut pas arrêter. Jack, non. Il fut un temps, je te voyais comme mon successeur. C'est quoi là? C'est une pause de danse ou se passe comment là? Ah déjà. Justement, ouais, je voulais voir si on pouvait faire ça. Alors on y va. Est-ce qu'on peut le repousser? Non mais le pauvre mec. Il y a tellement pas de respect. Merde, j'ai pas réussi là. Il est où? What? Il est où? Mais il est là. Ah, je le voyais plus. Attends, attends. Tu sais que ça lui fait des dégâts en plus. J'ai vraiment cru que c'était mon coup de pied qui avait fait ça. Ah non, je pouvais presque le finir. Je fais le temps. Dans le bus. Voilà, terminé. On l'a fait en full coup de pied. Bah écoute, on va le plus ridicule au monde. Déjà, le mec, il partait mal. Hein. C'est ça, Aiden. On n'avait pas à en finir de cette façon, Jack. Mais ça, c'est fait. Il y avait un moment où j'ai vu mon successeur en toi. Je vais chercher Walt, Jack. Tu penses pouvoir t'en sortir? T'as pas besoin d'entrer dans ce nuage, Aiden. T'es déjà devenu un monstre. Parfois, il faut juste devenir un monstre pour rester humain. Une autre attaque. Williams avait raison. Jack. Bon, bon, bon. Parler à Matt. Ouais. C'est incroyable. Hein. Allez, trouvez l'entrée du tunnel. On est de plus en plus dans un... Dans un monde post-apo, là, quand même. Ouais. Mais c'est très stylé. L'entrée du tunnel, c'est genre là. Oh là, oh là, ça court vite derrière moi. Fais attention. Attends, mais c'est où l'entrée? Oh, mais ça court sacrément vite, là. Ah oui, ah oui, oui. Je vais aller dans la flotte, non. Hein. Est-ce que c'est pas dans la flotte? Je me suis demandé, ouais, mais... Il y a un... Non, je sais pas si c'est dans la flotte. Hein. Ah, ça suit dans l'eau et tout. J'ai un point de compétence, je vais en profiter pour le mettre tout de suite, hein, dans l'eau. Hein. Vraiment? Écoute. Ah, mais c'est quoi ce... J'ai mis le sprint. Débris et tout. Attends, là-bas à droite, peut-être. T'as quelque chose? Non, je sais pas, mais je me fais éclater. Moi j'ai sauté dans la flotte justement pour pas me faire éclater, je longe pour voir si je trouve pas quelque chose. Ah là il y a pas mal de débris en face de moi et je me dis que... Peut-être il y a une entrée quelque part. Oh non. J'arrive hein. Ouais ouais.
Non mais je vais pas le... T'inquiète, on peut rester séparés, dès qu'il y en a un qui trouve, on appelle l'autre. Ok. Mais là j'avoue que... Non, je pense que c'est vers là où je suis. Hein. Franchement, je pense que c'est vers là où je suis, il y a un truc. Je débarque. Après il y a quelque chose de où je suis. Ouais, viens, viens. Ah non, vous sortez de la zone de la mission, ça me met. J'étais trop viens loin. Viens où je suis, moi. Attends. On m'a sorti. Merde. Ok, j'arrive. Y'a rien ici. Akon. Akon, t'es là? J'arrive. Je me transforme. Mais pareil, mais en fait je peux pas te rejoindre, ça me dit vous sortez de la zone de mission. Ah c'est bon. Tiens. Ça m'a retépé. Ok, parfait. Vas-y, faut open la porte je pense. Nickel. On est pas bien là hein. On est bien au contraire. Ouais, c'est la meilleure forme. Meilleur move. Je te trouverai. Bon, par contre, ce qui est chiant, c'est qu'on fait un malaise toutes les deux minutes. Ça, c'est le problème. Bah, quoi, c'est un peu le problème, quoi. Bah, c'est un peu gros goût, quoi. Tu utilises tes pouvoirs et puis après, hop, tu t'endors, quoi. C'est ça. C'est un peu la même chose, hein. Tout ira bien. Vous allez la guérir? Je fais ce que je peux. Mais elle est faible. Beaucoup plus que les autres enfants. Mais tu peux la sauver, Aiden. Toi, tu peux la sauver. C'était quoi, ça? On dirait qu'ils sont passés par là. Ah. Ils partent sur Mars ou comment ça se passe, là? On joue à quoi, déjà? Appelle-moi, juste. Ah, non, mais là... Ok, 500 mètres là-bas. Alors, c'est là ah, mince, que attends, je vais te trouver. J'ai plus le grappin d'équipé, il me le oh faut. Je vais tirer les deux balles de chevrotine. Mais non. Parce que je pensais que j'avais le grappin. Oh là là. Mais un peu trop tard, visiblement. Ok, on est bon. Allez, j'espère que c'était bien la chevrotine. J'espère que c'était efficace. Mais en plus, t'as tiré les deux balles. Les deux balles. Oh là là, t'as pas fait semblant. Ah bah non. Oh, j'ai envie de canner. Tranquille. Je peux comprendre. Je le savais, en plus, je l'ai dit, hein, que j'allais faire une connerie. Hein. Je le savais. Oh, c'est fou. T'as vu en haut le truc d'immunité? Ça nous fait un truc de la fumée autour. Bah, si on reste en mode vénère, moi ça me va. Hein. Bon, moi ça me va aussi. Il y a des traces de pattes et tout en plus là. Là, poussez-vous. J'avoue. Ah. Ah. Mais non, pas le malaise. T'es retombé dans les pommes? Je veux plus de ses faces. Oui. Enfin non, je suis juste tombé, ça va. C'est où, faut monter là ou faut aller plus loin là? À part là. Je reviens pas, j'ai bouffé la chevrotine. Hein. Je l'ai fait, hein. Alors c'est là que tu vas. Je vais te trouver. Oh mince. Je vais te trouver et je vais te tuer. Bah c'est con parce que moi j'ai bousillé la chevrotine du coup. Écoute Ors, on compte sur toi. Bah j'ai envie de te dire les coups de pied quoi. Après, oh, normalement, les boss comme ça, c'est pas censé marcher. Mais déjà, contre Jack Matt, là, je suis étonné que ça ait fonctionné. Ouais, grave. Je sais pas si j'ai le droit de passer par là, t'es que je pense pas. Oh, si. Bon, je me suis fait c'est un quoi peu quoi mal, ton logo, mais... là. Ah, d'accord. Y'a quelqu'un? Non. J'ai pas fait exprès de tomber. Qu'est-ce que tu
cherches ici, espèce de taré. Ça, c'est la bonne. Non, ça peut être que elle. La craque. Tu devrais surveiller plus souvent tes arrières, Gadjo. Surtout si t'es copain avec le boucher. Oh là là. Oh, c'est bon, là, on peut plus. Hein. Je veux juste arrêter Waltz. Ouais. Tu sais que je dois arrêter Waltz. Tu m'as trahi. Seulement pour te sauver, et tu le sais. N'essaie pas de m'arrêter. On peut sauver cette ville. Va chier, Aiden. Ça a rien de bon. Et toi, t'es en danger avec moi, Lawan. Tu le sais. Mais tu comprends rien. Ces bâtards ont détruit tout ce que j'ai et tout ce que j'aime. Tous ceux qui sont morts dans l'attaque. Frank est mort. Je veux pas te perdre toi aussi. T'inquiète pas, tout ira bien. C'est ce que tout le monde dit. Regarde-moi, Lawan. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi, Lawan. Je te jure que je reviendrai. Oui, bien sûr. Parce que je viens. Lawan. Franck, arrêtez pas de dire que j'avais les dames d'un traceur. Voyons s'il a raison. Les dames d'abord. Oh, le non-respect. C'est de pire en pire, n'est-ce pas? T'es tout pâle. Ça va aller. T'inquiète, on le trouvera juste avant que ça empire. On doit y arriver. C'est d'accord? Ouais. Ouais, finissons-en. Oh non. Bon bah, va passer, pas nous. Oui, bah ça c'est comme d'habitude, hein. On fait que ça. Le mec, il devrait apprendre à regarder le labyrinthe. Lawan! Lawan! L'objectif, attendez Lawan. Bah écoute, je vais mettre mon point. Moi. Alors. Moi, pendant ce temps-là, je mets mon point, ok? Tu sais que j'utilise. En fait, je m'aperçois que compétences de combat, j'en utilise vraiment aucune, quoi. Ouais, pas beaucoup non plus. Hein. Je sais même pas quoi mettre, dis-toi. Vas-y, on va essayer de mettre ça et puis on verra bien. Aiden, je me suis occupé des gardes, mais j'ai aucune idée de comment ouvrir la porte. D'accord, bah écoute... Bah nous non plus. Ah. Tiens, j'étais à côté. Allez hop. Oh là, il y a des trucs, attends. Je sais vraiment pas comment l'ouvrir. Essaie de trouver un autre moyen d'entrer. Le crochet. Oui, c'est vrai que tu peux maintenant. Maintenant, je suis devenu une craque. Hein. Bon, il s'est cassé, mais je suis devenu une craque. Oui, bah ça arrive. Hein. C'est bon. Ce que je me dis là, c'est vu qu'on est à la fin, tu vois, il peut peut-être nous donner des trucs cool. Un pantalon. Oh. Vas-y, il doit être mieux que le mien, de toute façon. C'est un 4. Là. J'arrive. C'est quoi ce bordel que j'entends? Ah bah. Ça, sûrement. Oh bah on les laisse, hein. Démerdez-vous. Coup... Hein. Là t'as une arme par terre, une machette à une main en plus que t'aimes bien, ah. Niveau 4.
Ça doit être pas dégueu. Les mecs ils étaient en train de se fight mais là. Alors là il y a une machette. Alors. Hé, hey, tu vas bien? Moi, ouais. Eux, pas tant que ça. Montre-moi. Laisse tomber. On a de plus gros problèmes. Regarde. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que c'est? Ils collectaient de la bouffe ici, du carburant et de l'eau. Mec, regarde ça! Ils ont amassé des provisions ici. Waouh! Ça alors? Le GRE a construit cet endroit pour que des personnes survivent à l'épidémie. Comme l'arche. L'arche? L'arche de Noé, dans la Bible. Seulement là, le but était de sauver des couples d'animaux. Et ici, sûrement. Des enculeurs de chèvres du GRE. Ça n'a pas l'air d'être fait pour les gens normaux. Non, c'est des connards d'égoïstes. Et on dirait que personne n'est arrivé jusqu'ici. Le virus a été plus rapide qu'eux. Justice a été faite. Walt s'est passé par ici, c'est sûr. Il savait qu'il y avait tout ce qu'il lui fallait pour survivre. Il faut qu'on le trouve. Tu piges ? J'y vais en premier. Désolé, gamin. J'aurais dû me tuer quand on avait l'occasion. Je peux le faire maintenant. Les occasions manquées se tournent souvent contre toi. Messieurs. La voix, te mêle pas de ça. Tes clowns suivent tes ordres, mais pas moi. Ah, Craig, t'es tué comme toujours. Et t'as toujours été un connard égocentrique. Hein? C'était censé me blesser. J'ai une vue sur la cible, non, attends. On est censé les tuer. Attends, bon sang. Waltz pourrait se servir de... C'est toi, cette putain de connerie. C'est toi qui vas finir par avoir un rayon dans le crâne. Non. Vas-y, aide-le. On pourrait savoir. Hein. Comment ça, aide-le? Oui, ça, je comprends pas. Ouais, peut-être qu'il a joué un jeu devant les autres pour nous aider. Au final, je sais pas, mais... Un moment relou, quoi. Quel est le but, là? Bah, le but, ça va être de rester en vie. Et un archer mort. Oh, nice. Ça bouffe bien la stam. Hein. Ah oui. Oh, l'art c'est pas dégueu. Oh, ça aussi ça va être pas dégueu. Oh, ça c'est bien. Ah mais ça c'est mon moment préféré à chaque fois. Le moment où on est invincible et où on peut one shot. Ouais, c'est sûr. Mais franchement l'arc. Ah oh, mais je t'ai vu le manger, j'ai l'impression. Ah ouais. Mais c'est pas pour me déplaire hein. C'est quoi tous les points, c'est les mecs? Oui. Vas-y, je te regarde faire. Ah non, moi je t'ai vu mettre un coup, quoi, faut voir. Ah, ouf, tu l'as brisé, quoi. Oui. Non, tu vois, j'étais un peu déçu de l'arc au début, mais là, un bon arc, c'est pas mal. Hein. Lawan, alors, comment va ta blessure, mon poussin? C'est qu'une égratignure. La gueule de bois après la vodka au sorbier de Franck, c'est bien pire. Je crois encore qu'il cachait pas la bouteille pour me donner une bonne leçon. Je me souviens. Je me souviens de la première fois où tu m'en as parlé. Aïe. On peut quoi? On va chercher des chandeliers et des spaghettis? T'as de la chance qu'elle soit avec toi. Parce que sinon, je t'aurais tué. J'ai vu les plans, Aiden. La salle de contrôle est dans cette direction. Walt doit chercher quelque chose là-bas. Je vais le chercher. Sors à Con d'ici. Récupère-moi cette putain de clé, Aiden.
ou on va tous crever. Par contre, c'est une blague, les deux, là. Ouais, non, c'est... Elles veulent tuer, elles veulent sauver, ils veulent nous tuer, ils nous sauvent, voilà. Oh, j'espère qu'il y aura pas des rapaces. Mais déjà, je passe à remarquer, mais on a tué des rapaces, hein, tout à l'heure, quand ils se transformaient, hein. Ah, c'est ce qui me semblait. Là, faut qu'on se retransforme, en fait, hein. Ah bah oui. Surtout que j'ai pas équipé la lampe UV. Moi non plus. Attends, ils sont toujours là ou pas? Je sais pas, ils sont plus là. Hein. Mais pourquoi on est éloigné l'un de l'autre? Ouais, éloigné, mais non. T'es derrière la porte, toi. Ah, ouais. Mais what? Ils t'ont oublié. Ils m'ont oublié. Ils t'ont oublié derrière la porte, MDR. Mais attends, mais je suis complètement pas avec toi. Oui, je sais. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Bah, c'est bugué. Mais moi, bah je sais que je suis mauvaise, mais quand même. Laissez-moi participer un petit peu. Si bah, écoute, il y a un truc à crocheter. Oui, je pense. Attends, tu peux crocheter pour venir? Non, il y a un coffre. Du coup, je crochette. Ah oui, moi aussi, je fais un coffre, mais je t'avouerai que j'ai du mal. What the fuck? Ça fait trop longtemps que j'ai plus fait, ça y est. Non, mais c'est pas possible. Non, mais j'ai fait tous les angles. Ah là. Ah là, c'est tout droit en fait, hein. Super. Ils en ont eu marre que je galère, ils m'ont fait un tout droit. Non, mais j'en reviens pas de cette histoire, c'est trop drôle. Ouais, enfin, oui et non, quoi. C'est à moitié drôle, quoi. Ouais, voilà. Bah allez, je pense que je vais pouvoir sortir la grosse arme de toute façon. Si je viens là, est-ce que tu vas pouvoir TP? Attends. Tu peux pas là? Non. Mais c'est horrible. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, Ors? Je sais que... Il va bien y avoir une porte à ouvrir où tu pourras TP là, comme d'hab, non? Ouais, je pense, hein. J'espère ça fait surtout, peur en tout cas, ces espèces de... Bah oui, je... J'avoue, on va équiper les consoins aussi. Surtout que c'est trouver Waltz quand même la quête, donc bon. Ah oui, c'est ça la lame que j'ai. Ah oui, c'est badass, ok. Pourquoi moi je suis toute seule? Tous les joueurs se présentent, c'est bon, viens. Ah! Ah bah enfin, moi j'ai eu peur, hein. Je me suis dit que tout ça va se faire sans moi. Ah, binôme. Bah, j'ai pas looté, je me suis dit, attends, on va essayer de trouver la porte, mais... Fais gaffe, tu vas être enfermé derrière cette porte maintenant. Ah non. Il nous faut des provisions. Tout est prêt. C'était nos lits. Oh. Pourquoi je me souviens pas avoir pris cette photo? Qui a écrit ça? Alors, attends, première chose. Ok, t'es là. Ouais. Ouais, Walt. Mais en fait, Walt, c'est notre daron, en fait. Ah, c'est ce qu'on avait dit au début, mais après, est-ce que. Oui, hein. Parce qu'il y a peut-être des trucs. Ouais, non. Jusque-là, il y aura pas besoin. T'as vraiment eu des trucs de ouf, là? Non. Ah, là, les kits, c'est juste de ce. On a tout ce qu'il faut, ouais. Après, je t'avouerai, j'ai 26 kits, je pense que je vais pas les utiliser, quoi. Avec 26 kits... Je pense que là, on est à la fin, donc... Ok. Oh, mon arme est presque... Ah oui, c'est celle qu'on envoie. C'est là-bas. Toi, t'es passé par où? À part là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attends. Ici. Ouais, j'arrive. Ça m'a juste enlevé un truc. Voilà, c'est bon. Tac.
Je vais rééquiper les grenades dans le doute. Promets-moi que tu me laisseras jamais seule ici. Jamais. Je te laisserai pas. Jules. C'est pas la peine. Rien ne pourra jamais nous séparer, de toute façon. Rien du tout. Aiden, allez, viens. C'est l'heure. T'inquiète pas. Mais qu'est-ce que... Oh, bon sang. S'approche de la vérité. Eh oui. Que s'est-il passé avec Mia ? Mais 200%, on l'a tué, c'est tout. Ça va aller, ça va passer. Ça fait mal. Je sais, mon garçon. Je suis juste là, avec toi. Aiden, feu ! Il y a le feu dans le labo ! Dépêche-toi, Aiden. Tu dois t'enfuir. Où est Mia ? Je vais la trouver, je te le promets. Cours ! Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Aiden ? Aiden ? Est-ce que tu vas bien ? Oui. On dirait que des missiles sont lancés depuis ce bâtiment. Lawan, je cherche toujours Walt. Je trouve aucun bandage. Laisse tomber, Lawan. Cherche une sortie et fous le camp d'ici. Aiden, si les missiles sont lancés d'ici, il faut qu'on les trouve. Je vais m'en occuper quand j'aurai trouvé Walt. Moi et maman, c'est depuis le début. Oui, je te tu vois. Tu vas pas la lâcher. Ça va te servir. Y'a quelqu'un ? Non, ma lance. Abandonne. Va-t'en. Walt, t'es où ? Tu t'échapperas pas cette fois, tu m'entends ? C'est qui ça ? Il a pas fait long peu, le gars. Tellement. Ah, c'est là. Tu peux pas récupérer un lance ? Un peu triste. C'est dommage. Non, ça doit être à gauche, c'est le seul endroit massacre. Où c'est fait. Massacre, ok, c'est une arme, ok. Ah non, c'est pas là. Hein ? Si ? Ah si. Walt ! Hein ? Mia ? Stop, Walt ! Arrêtez-le. Mia ! Mais ça suffit maintenant, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'est donc ça que tu ressentais quand je te le faisais ? C'était trop bien ! J'avoue que c'est stylé, en vrai je peux donner mes coups tranquilles comme ça. Bah ouais. Par contre, Mia... Oh, en face, il y a un mec ! Il est plus solide que les autres, lui. Mmh. Remets-le au sol. Non. Ok. On peut pas le finir, là, au sol ? Non, ça, on peut pas le terminer. Attends, c'était peut-être eux, je sais pas, j'ai peut-être... Je sais jamais si c'est ah, eux ou... Ah, j'ai pas réussi. Attends. Vas-y, remets-le au sol. Comme ça, j'essaie de... Ah, je peux pas le finir, là. Attention, grenade! Ok, c'était la grenade test. Attention, il charge! Qu'est-ce qu'il fait?
Ah, il m'a esquive. Il nous a esquive. Ah, t'as fait pareil. Ok, je voulais au moins tester une grenade avant le combat final, histoire de savoir comment ça se lance un peu. Après, les C4, je sais pas. Les chevrotines, tu pourras m'expliquer, vu que t'en as claqué deux. Bah, en fait, c'est juste clic molette et ça tire. Et ça tire, tu pourras. Mia ? Mia, c'est toi ? Comment je peux atteindre cet endroit ? Tu te transformes et tu pètes tout. Walt. Ah, j'avoue, c'est simple en fait. Walt ! Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu fais ? Je dois aller là-bas. Walt ! Walt ! Qu'est-ce que tu fais ? Walt ? J'ai trouvé le hangar avec les rampes de lancement des missiles. C'est au niveau inférieur, sous le bloc G. Il y en a des tonnes. La ville ne survivra jamais aux prochaines attaques. Quoi ? T'étais censé partir d'ici ? Pars d'ici maintenant, tu m'entends ? La One ? Ah, merde ! Il y a juste à le pousser dans le vide. Oh, incroyable. Ah, mais là, ah oui, là, c'est ouf. On peut pas le pousser, lui, hein, normalement. Je ne veux pas le tuer. Est-ce que c'était Mia ? Tu l'as amené ici ? Oui. Maintenant, pars pendant que tu peux encore le faire. Dernier avertissement. Mais on peut pas parler, là ? Pourquoi t'as besoin de Mia ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi t'as besoin de Mia ? Elle est vivante ? En quelque sorte. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu l'as torturée comme ça ? Mais alors, tu ne te souviens vraiment de rien ? Bah, non, sinon je poserais pas la question. Non, mais par contre, moi je veux la suite avant bah que... Bah oui ! Là, on veut l'histoire, quoi. C'est quoi ce bordel ? Donne-moi la clé et annule l'envoi des missiles. Il est déjà trop tard. Trop tard ? Cette ville a eu sa chance, Aiden, il y a des années. Avant que mon travail ne soit détruit. Beaucoup sont morts. Mais d'autres seront sauvés. Quoi ? Mais de quoi est-ce que tu parles ? Pourquoi tu me poursuis, Aiden ? Qu'est-ce que tu veux ? J'ai promis à Mia. Promis quoi ? Pourquoi tu prétends que tu ne connais pas la vérité ? Concentre-toi, essaie de te souvenir. Heidi ! Aiden ! Viens ! Voilà, il suffisait de se souvenir, en fait. Hein. Oh là là, tout ça pour ça ? On pouvait faire ça de chez nous, hein, finalement. Oui. Vous allez la guérir ? Je fais ce que je peux, mais elle est faible, beaucoup plus que les autres enfants. C'est pourquoi elle a attrapé le virus. Mais tu peux la sauver, Aiden. À moins que... Tu sais, les gens veulent mettre un terme à mes recherches. Ils ne savent pas à quel point nous sommes proches de trouver un remède. Quoi qu'il arrive, nous devons... Nous devons rester ensemble. Non. Tu ne lui as pas fait de promesse. C'est à moi que tu l'as promis. Non. Non, non, non. Tu nous torturais. Tu me faisais du mal. Et à Mia. Non, Aiden. Je ne ferai jamais de mal à mon propre enfant. Mia est ma fille. Et tu le sais. Je te tiens. Tu ne vas pas te cacher. Je cherchais un remède. Pour elle, pour tout le monde. Avec ton aide. Et je le trouverai. À tout prix. C'est pourquoi j'ai besoin de cette clé. Walt ? Walt, arrête-toi ! Lancement de missiles imminent. Dirigez-vous vers l'abri le plus proche. Walt ! On doit l'arrêter !
fais un pas de plus et je te tue. Donne-moi la clé. Je peux pas, Mia en a besoin. Si tu la prends, elle mourra. Les missiles vont raser la ville. Y a pas d'autre moyen. Le processus doit aller jusqu'au bout. Je peux pas laisser faire. Alors tu dois mourir. Oh, ça ressemble à une arène tout ça. Ouais, ça sent la phase finale ça. Alors, grenade. Ah, j'ai un peu trop loin mes trucs là. Comment ça vit par contre hein. Comment après je fais péter les trucs là? Il a la vie. Comment je fais péter les trucs après? Je comprends pas. Ah, il faut qu'il marche dessus. Ah, c'était Sinat là. J'ai peur. Non, tu dois pouvoir réappuyer dessus non pour le faire sauter. Oh, le pan de C4, je m'en suis mis juste à côté de moi. Ah, j'avoue, comment tu vas refaire sauter? C'est ridicule. C'est... Oh là là, tu m'as lancé la grenade sur moi. Excuse-moi. T'es morte? Oh bah attends, attends, c'est le 14 juillet là, mais c'est... Moi. Au secours, au secours. Oh bah attends. Oh, je suis tombé à terre. Attends, je suis... Oh là là. Oh là là, mais je vais mourir hein. Ah bah, non. Si, je suis mort. Mais non. Mais c'est impossible en fait avec tous les zombies et tout. Comment je peux péter les pains de C4, je sais plus. Mais t'aimes toi? Je le ranime. Ah bon? Mais c'est risqué. C'est bon non? Attends, je peux pas sauter pour me heal. Ah, c'est E pour faire activer, je le vois. Boum, ok. Très bien. Ok. Du coup on a quoi d'autre? Wouh! Fais des grenades hein. Je vois rien. Ah mais ça c'est de la triche, le mec il met Mia et ma fille. Oh mince, je me suis fait tout dessus. Tu les fais péter. Tu sais que d'envoyer les zombies sur lui ça lui fait des dégâts. Mais... Oui ok. Et là, comment je fais péter? Je comprends pas. Hein. Attention, grenade! Il a pas lancé comme à mes pieds! Bon, en vrai, on les tue vite, hein. Ouais. Attention, lance grenade! Oh! Oh, t'as gros! Quoi? Je crois qu'elle m'a mis dans le mal. Je crois que ah c'est ouais. Oh, en vrai, le heal il est incroyable, hein, je l'avais jamais utilisé, mais en fait il te soigne en 2 secondes, il te remet tout, il est trop trop bien en fait. T'es invincible avec ce heal. Non mais vraiment c'est trop fort. Le heal militaire? Oui. Ah oui, il est bien. Hein. Bien peine de les garder pour ce second pas. Par contre ça coupe bien aussi mon truc. Hein. Tant que ça court. Aiden, ça comment? Je sais pas si c'est normal. Oh non. Ah, moi je me dis surtout qu'il y a tout ça maintenant. Et Walt c'est full life. Il est passé niveau 5, il était pas niveau 4 avant. Une blague? Tu sais que j'ai plus rien. J'essaie de buter tous ceux qui sont en train de monter. Mais il faut, je pense qu'il faut faire ce que t'as dit, il faut arriver à les envoyer sur Volt, mais... Oh là là. Il est où? Non mais il y a tellement de monde. Oh, ils m'ont... Je suis à terre. Ouais, je vois. Oh, fais attention, là il y a trop de monde. C'est pour ça que je me suis mis en hauteur, moi. Je vais essayer de te relever, t'inquiète. Oh, t'inquiète. Oh, il prend des rochers, fais gaffe, il les soulève. Ah, il jette des rochers et tout. Ok, je vais arriver. Je te ranime, hein.
Ok. Ok, vas-y, bouge, et mets-toi vite en hauteur, quelque part, le plus proche possible de toi. Voilà. Vas-y, et toi, pendant ce temps, je tape, et ensuite on inverse. Oh là là. Ok, il faut que je m'y... Mais ça n'arrête plus, là. T'inquiète, là. Ok, c'est bon. J'ai plus de stam. C'est bon, je peux taper. Ok, il en reste moins d'énergie. Bon, il est où, Volt? Il est là, en face. Je le vois pas avec la fumée et tout. Ah, il y a une zone chimique, fais attention. Il vient, okay, je l'ai vu passer. Pas là-bas. Il va vers l'UV. Oh, il est malin, hein. Bah, il est malin, il court, quoi. Aïe, aïe, il fait mal, quand même. Oh. Attends, il y a forcément un truc. Si tu te mets en hauteur, peut-être tu le verras passer plus facilement. Qu'est-ce que j'ai en accessoire, moi? Il n'y a pas des trucs. Il n'y a pas des trucs qu'on peut activer, de l'UV ou quoi? L'UV sur lui? Ouais. Ouais, mais la lampe UV déjà sur lui, est-ce que ça le... Tu sais, on a vu qu'il était sensible. Et sinon, vu qu'on a des trucs en hauteur, est-ce que c'est pas fait exprès? Ah, on peut même activer les échelles là-bas. Je vais peut-être réactiver pour plus tard. Peut-être utile pour plus tard et je peux escalader, moi. Je vais essayer de les descendre au cas où. Je descends des échelles un peu partout. Ok, je vois. Au cas où ce serait utile. Ah mince. Oh non. Ça fait rien, la lampe UV. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Non, meurs pas. Il est là. Oh non, attends, j'ai un problème. Attention. Non, mais immunité critique, là, j'allais mourir, en fait. Mais qu'est-ce que tu fous? Okay. Mais je suis tombé dans un truc chimique. Faut que je me heal de toute urgence, là. Bah, heal-toi, hein. Ouais. Alors, ça va, non, t'es quasi full life. Ok. En vrai, il a l'air de courir, hein, c'est bon. Ok, je vais là. Okay. Ah, tu t'as activé ta lampe UV ou pas, toi? Ouais, j'ai activé, j'ai pas l'impression que ça fait grand-chose. Ok. Ouais, il y a sûrement une méthode, hein. Il va revenir sur nous. On vole. L'entends à côté de moi, genre. Ok, là. Il va se rebarrer, le fumier. Ok, j'ai pu le toucher une fois. En fait, c'est un cache-cache, quoi. Ok. Oh là là, la gifle qui m'a mis. Il fait mal, hein, quand il gifle. Hein. Ah, je sais. Ok, il arrive. Il se rebarre. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Dommage que j'ai plus de mine. Hein. Ah. Je vais essayer de le mettre en feu. Non, parce que j'ai plus de mollo. Plus facilement. Il va passer là, au pire. Oh, ah ouais. Enfin, il est en feu ou pas? Parce que là, on va peut-être le voir. Pas du tout, il est passé dedans. Mais... Ah si, il est en feu. Moi, je l'ai vu en feu pendant quelques secondes. Ah, pas moi. Mais il est chiant, en fait. Il y a pas un... Bah attends, bah l'arc, au pire. Hein. Bah, non, mais même pas, parce qu'on le voit pas de loin, donc... Hein. Je vais même le tenter. Il est sur moi. Ouais, lui. C'est trop dur, en fait. C'est ça qu'on peut pas viser. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? En fait, faut rester au milieu et... Je sais pas. Attention, il arrive sur toi. Non, mais il doit y avoir un truc. Moi je pense qu'il y a un truc. Il y a des lumières allumées, il y a des trucs, je pense. C'est pas possible. Attends, là. Ça, c'est un. Moi tout à l'heure, j'étais en train de monter. Ouais, voilà. Bah, celui-là, c'est celui que j'ai. Ok. Ouais, c'est là, ça. Là, il y a des. Ok, c'est bon, celui-là, c'est cette échelle que je t'avais ouverte. Là, il y a quelque chose. Je pense. En face, il y a une grosse structure. Je voilà, mais c'est là où je commence à aller. Et moi, en fait, je suis tombé dans le vide. Là, tu sais, c'est ici où je suis tombé dans le truc et que j'étais normal. Ok. Attends, mais par contre. Il se balance pas, mon perso, je comprends pas. Ok, je peux continuer de monter. Et je me dis pourquoi monter autant, tu vois. Oui, c'est pour ça, ouais, je commençais à le faire. Sauf que moi, j'ai essayé de sauter à un endroit en face au lieu de continuer là. Et je suis tombé dans le truc, donc j'ai pas continué. Ouais. Ok. Oh là. Il
faut attendre que la corde soit bien droite par contre. Ah, c'est pour aller à gauche là-bas. Enfin, c'est loin. Oh, ça me paraît fou, moi, cette histoire-là. Ça me paraît bien fou. Là où t'es, tu peux continuer d'aller à d'autres endroits, ouais. Ouais, je continue pour voir, mais... Non, mais c'est pas possible. Ça fait mal, on t'entend là-bas. Non, mais j'ai roulé. J'ai de la chance, j'ai... Ouais, moi aussi. C'est pas possible, attends. Il y a un truc à allumer, je pense, hein. Oh là là, j'ai eu trop peur de tomber. Ok. Parce qu'on peut s'arrêter là-bas aussi. Ouf. Pas un truc là-bas, là. Parce que là, on fait le tour, en fait. J'ai l'impression qu'on va faire le tour indéfiniment, non? Au moins, c'est ça, ouais. On fait juste le tour, mais... Je me dis après, c'est on pas peut pour déclencher rien. Des échelles pour remonter d'ici directement. Ok, là, je suis monté, mais je suis au pont où j'étais tout à l'heure. Quel est l'intérêt? On passe, il y a forcément un truc. Ok. Pense à activer les échelles partout où tu peux, comme ça si on peut remonter plus tard, voilà. Ok. Là, il y a d'autres échelles en bas. J'hésite même à descendre pour remonter les échelles là. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attends, je vais aller là où j'ai vu. Moi, j'ai vu un truc. Moi, j'ai vu un camion. Je sais pas si je saute direct. Ouais. Hop. Ah, vers là où t'es, voilà. C'est exactement là-bas où je voulais aller. Est-ce qu'il y a quelque chose ou pas? Il y a une porte. Est-ce que je peux pas l'ouvrir? Non, je peux pas interagir. Il y a un camion. Je me dis, pourquoi est-ce qu'il y a un camion ici, quoi? Tu peux rien faire avec ce camion? Non. Mais c'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'on a une zone pareille à monter? Surtout avec un vol. Fais attention à ton touchant, là. Fais attention à ton ouais, l'immunité, t'inquiète. Surtout avec un Volt qui est genre chiant à courir partout, tu vois, c'est bizarre pour vous. Bah ouais. Ok, je le vois, il est là. Est-ce que c'est pour prendre de la hauteur, genre on lui saute sur la tête? Oula. Attends, là il bouge pas depuis tout à l'heure, on est d'accord? Ouais. Si j'essaye de faire attends, comme Alar, ça... Alar, reste là, Alar. Ah non, trop tard, j'essaie. Va pas vers lui parce que ce truc va rebouger. Ah, il va rebouger du coup, là. Ah ouais. Trop tard. Bah ouais, mais j'ai déjà sauté. Ah ouais. Bah ouais. En vrai, s'il s'arrête, on le tente à l'arc, juste comme ça, il bouge. Ouais, c'est pas bête. Vas-y, je reprends de la hauteur du coup. Là, je vois une échelle, donc je vais en profiter pour la descendre. Et je touche. Parfait, hein. En vrai, bouge pas. Tant qu'il tire dessus, il bouge pas. Et du coup, moi, je lui tire full flèche. Ok, vas-y. Je suis pas sûr que ce soit ça qu'il faille faire, mais en tout cas, ça marche. Hein. Un peu naze comme combat final, mais ça marche, hein, totalement. Comment tu fais? Tiens, je vais mettre mes premières flèches. Allez, c'est maintenant. Bah écoute, je tire dessus. Ouais, c'est juste clic gauche. Ouais. T'as un truc pour viser avec contrôle, mais je crois qu'il faut avoir le skill. Mais moi, il esquive mes flèches, hein. Ah ouais, non. Vas-y, vas-y, mets-lui, ouais. Bah, il esquive, genre. Non, non, moi, je reviens. Qu'est-ce que c'est que ce combat? Je ne le comprends pas. Ouais, c'est bizarre, par contre. Tu sais que ça se trouve, on nous dira après en commentaire, mais vous avez rien ah compris. Ah mais, 200% dans les commentaires, ça va être en mode... Mais le combat, normalement, fallait faire ça, c'était évident. Bah vas-y, ah, hein. Gars... Et comment tu fais pour crafter des flèches? J'apprends en même temps, c'est le tuto. Bah, dans fabrication, quoi. Ok. Comme n'importe quel craft. Mais par contre, là, je touche plus. Attends, j'attends d'avoir plus de stam. Tu sais que j'ai été bête, je pouvais... T'as tiré que ta chevrotine? Oui, ça fait que dalle de dégâts, hein. Ah ouais? Ouais. Oh merde. Tu sais que j'ai crafté toutes mes flèches, hein, tout ce que je pouvais craft. Eh ben, écoute, j'ai 5 flèches électriques. Tirer, alors ça, ça me dit que j'ai 5 flèches électriques, je les vois pas pour autant les flèches électriques. Hein. Attends, j'ai une immunité faible. T'inquiète, t'inquiète, hein, il est bientôt mort, mais... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attends, je comprends ouais, pas. Il reste 12 flèches, j'aurais pas assez. Je vais voir si je peux en recraft après, mais... Vas-y, je lui mets des flèches. Tellement nul. Le final. Qu'est-ce que le c'est plus que ce bordel? Mais même ces rochers sont full buggés par contre, hein, j'en vois partout qui bug. Là, il y a un truc. Enfin, ouais, c'est moi full aussi. Buggé, ça par contre. Oh là là. C'est ridicule. Moi, par contre, c'est qu'il esquive. Il y a peut-être une autre phase. Hein. Ah, il esquive les tiennes flèches? Ouais, moi, il esquive toutes les miennes. Ah, donc peut-être c'est pas fait pour être joué comme ça du tout en fait. Mais c'est légendaire ce qui se passe.
comprends rien à ce combat. Il y a toujours trois passes, Waltz, de toute façon, dans les jeux. Vraiment, Waltz, gros combat. Hein. J'ai rien compris à ce combat. Après, c'est peut-être juste essayer de le taper à chaque fois qu'il court et tout. Hein. C'est peut-être juste si simple que ça, il n'y avait rien à comprendre, hein, je sais pas. Ouais. Mais ça va être long, hein, si on faisait ça. Hein. Waltz, c'est notre dernière chance. Tu as toujours été comme ça, Aiden. Honnête. Noble. C'est pour ça qu'elle t'aimait tant. Ce sont les politiciens. Les lâches du GRE. Et les nobles citoyens qui nous ont tout pris. Ils ont arrêté toutes mes recherches. Ils t'ont jeté à la rue avec tous les autres enfants. Ils savaient que ces tests étaient notre seule chance. Pour trouver le remède pour ma fille. Pour tout le monde. Tu sais que je veux sauver Mia, comme toi. Il doit y avoir un autre moyen. Il y en a un. Recule, Aiden. Le X-13 est sa dernière chance. Lancement de missiles imminent. Dirigez-vous vers l'abri le plus proche. Pourquoi tu essaies de sauver une ville qui ne t'a apporté que douleur et souffrance? Parce que c'est faux! J'ai rencontré des gens bien ici. Des hommes, des femmes, des enfants. Ils se battent tous pour rester en vie. Pour rester humains. Si tu cherchais vraiment un remède, pourquoi tu les condamnerais tous à mort? Est-ce que Mia voudrait ça? Qu'est-ce qu'elle dirait si elle savait? Si elle savait que tout le monde est mort à cause d'elle? Dirigez-vous vers l'abri le plus proche. Tu as raison, Aiden. Tu as raison. Elle ne voudrait pas ça. C'est pourquoi elle ne doit pas le découvrir. Jamais. Et... Bon, bah là, on va peut-être monter. Hein. C'est peut-être fait pour ça, justement, le fait de monter. Waltz. Waltz, non ! Et c'est reparti. Phase 3. Ah mince, je suis à l'arc. Attends, deux secondes, je change d'arc et j'arrive, bonhomme. Ah oui, non mais il monte Ah bah, il monte lui, ok. Bon bah, on a au moins la réponse là-dessus, hein. C'est vrai qu'il peut sauter comme ça, maintenant. Oh, je me suis éclaté dans le... Dans une zone chimique, là. Attends, il reste en hauteur ou pas, là? Ah, il reste avec moi, là. Ok, je vais lui mettre des flèches en attendant. Allez, ok, ouais, je viens de voir. Ça. Ok, il a pris une flèche. Je lui mets des flèches, hein, écoute. Ok, je le vois plus. Il fait mal ou pas? Je sais pas, il m'a. Parce que sinon pas je monte, touché. Hein. En vrai, il se gère, hein. Bon, vas-y, je peux l'esquiver, quoi. Ça suffit maintenant. En vrai, ça va. Quand il met les petits coups, c'est pas non plus monstrueux. Je vais prendre. Ah, on a mis du feu. Ah, là, il fait un peu mal, game. J'arrive. Mais vu que tu peux tuer devant lui tranquille, en vrai, ça va. Franchement, il est moins que midlife. Je sais pas si tu vois sa vie, là. Ouais, c'est bon, je vois. Moi, je suis en route, hein, j'arrive. Tu l'auras déjà buté d'ici là, ça se trouve, mais... Non, je pense pas. Comment t'es passé par là? Ok. Je l'ai juste suivi, moi. Par contre... Attention, il veut faire son attaque au sol et il fait... Ah! Je fais un malaise. On va jamais le tuer, hein. Phase 48. Phase 4. Ouais, j'avoue. Aiden. Aiden.
Waltz, où est la clé? Tu as toujours été spécial, mon fils. Plus fort que les autres. Mais tu as choisi de fuir. Waltz, la clé. J'ai pas envie de te tuer. Tu regardes les infectés comme s'ils étaient la maladie. Tu les combats pour le dernier rayon de lumière. Pourtant, tu ne peux pas voir que nous ne sommes séparés d'eux que par quelques minutes d'obscurité seulement. La clé est avec Mia, sur la machine qui va finalement la guérir. Mais tu ne t'en approcheras pas. Non mais c'est pas possible. Faut lui vider les poches en fait. Hein. J'avoue. Ah mais c'est bête contre bête. Bah ça va aller vite hein, oh ce bah. Rythme là. Attends, mais on peut sauter aussi nous jusque là-bas? Ah ouais. Oh la vache! Oh là là, trop bien. Ah puis tu peux marcher sur les murs et tout en plus. Je pouvais déjà. Non mais par contre j'espère qu'il va pas faire que ça de fuir parce qu'on a pas fini hein. Eh ben si. Non, je voulais taper en saut pour essayer de... Bah de lui donner un coup quoi avant qu'il s'en aille mais... Mais il passe oula. Son temps à faire ça, c'est bon là. Ouais, le combat de crapaud des... J'avoue. Ah ça y est. Je vais plus lui mettre ma première tatane. Non mais attends, il va canner hein. Je t'attends parce qu'il va canner hein, attends, tu vois. Attends, il est dans le truc, j'ai peur d'y aller quand même. Ah bah t'inquiète. T'as vu les tatanes qu'on met? Ouais attention, il en met aussi de temps en temps. Oh bah, t'inquiète, regarde-moi ça. 3 gifles et c'est reparti hein. Allez, phase 5. Vide les poches, vite. Le truc il te sort ça mais n'importe quoi comme si c'était des Kit Kat, il en a plein les poches le gars. Non mais ça suffit Waltz. On doit mettre fin à ça. Ah non hein. C'est tellement ça. Arrête Waltz, on t'a dit que c'était pas bien hein. T'en as abusé. Donne-moi la clé ou tu vas tuer tout le monde. Tu m'entends? Mia, va-t'en, maintenant! Mia, c'est toi? Aiden, qu'est-ce qui t'est arrivé? Mia, la clé! Sans ça, la ville sera détruite! Mia, tu as besoin de ton masque à oxygène. Je t'en supplie. C'est aller trop loin. Mia, vite! Tu as besoin d'oxygène maintenant, tu comprends? Sans ça, je ne peux pas te soigner. Tu as essayé de me guérir pendant des années. Je ne veux plus. Sauf ces gens, Aiden. Non. 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 Non, 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 non. Bah comme ça, tout le monde est condamné. Non. Mia, s'il te plaît, respire. Ma chérie, s'il te plaît, respire. À l'aide! Dépêche-toi, le générateur. Je t'en supplie, Mia. Ne me laisse pas, s'il te plaît. Elle est morte. Mia, bats-toi. C'est bien. Bats-toi, ma chérie. Aiden ? Les missiles vont bientôt être lancés. T'étais censé partir d'ici, Lawan. C'est pas le moment pour tes conneries de mère poule, Aiden. T'as trouvé Waltz ? Ouais, Lawan.
J'ai trouvé Mia. Et la clé? Il y en a plus. Quoi? La clé a été détruite, Lawan. Alors reconstruis-la, putain de merde, ces missiles vont complètement raser la ville. Je suis dans la salle de contrôle. J'essaye d'arrêter la procédure de lancement. Fais-le, vite. Dernière chance. Il se passe rien. Démarrage du coup. Merde! Aiden, ne fais pas ça! Je peux pas l'arrêter, Lawan. Et l'alimentation? Si on coupait encore le courant dans la ville? Faudrait aller à la centrale électrique solaire, c'est trop loin. Aiden, non! Oh non, 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 non. Il y a sûrement quelque chose qu'on peut faire. Démarrage du coup. Du lancement. Les missiles! On peut les faire exploser avant leur lancement, avec les explosifs qu'on a trouvés. Ok. Ok, ça pourrait sans doute marcher, je vais les chercher. Attends, Lawan, je veux... Arrête-la, Aiden. Elle va tout détruire. Démarrage du compte à rebours du lancement. Aiden, c'est bon, j'ai les explosifs. Mais ils doivent être déclenchés manuellement. Je peux le faire, mais tu dois partir d'ici. Si elle détruit X-13, tu vas perdre tout ce que tu aimes. Du coup, t'as... Je suis prête à déclencher les explosifs. Cours ! Est-ce que cette ville vaut vraiment que tu perdes tout ? Oh ! Mais c'est quoi le dialogue, la sauve Lawan ? Ah, ou laisse oui, Lawan faire exploser la bombe. Bah, on est obligé de laisser exploser, non? Bah, moi, ouais, je me dis qu'il pour faut l'humanité, laisser... hein. Bah, ouais. T'es la personne la plus forte que j'ai jamais connue. Je sais. Aiden, vas-y, pars avec Mia. Tu vas la sauver, tu trouveras un moyen. J'en suis sûr. Je suis désolé. Je t'ai laissé tomber. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je pense qu'on aurait fait l'autre dialogue, de toute façon, elle n'aurait fait qu'à sa tête, elle aurait quand même fait exploser, donc... Oui, la connaissant... Suivez l'itinéraire d'évacuation jusqu'à la sortie la plus proche. Ok. Je te tiens. T'es en sécurité. Aiden! On va sortir d'ici, Lawan. Tu t'es déjà demandé ce que ça faisait d'être un feu d'artifice? J'ai toujours aimé les rouges, moi. Tu crois que je vais faire des feux d'artifice rouges? Je veux partir en beauté, moi. Akon est avec toi, Lawan? Il va te sortir de là. Lawan, non ! Accroche-toi ! Observez, car ce sont les actualités de la dernière ville qui existe. 6 personnes sont mortes la nuit dernière. En raison des problèmes croissants d'approvisionnement en eau,
le commerce illégal, l'escroquerie ou le vol d'eau potable seront sanctionnés par la mort du suspect et de toute sa famille. Oh. Oh, mais c'est trop bien. Par contre, moi, les sous-titres sont coupés. Ouais, moi aussi. Après, ça se comprend. En gros, les missiles ont fait des morts, mais on l'a quand même sauvé, genre, toute la ville. Ouais. Le bazar, il s'en est parmi. Les pacificateurs contrôlent la ville. Et genre, la One s'en est sortie. Bon. J'ai peur. T'en as pensé quoi, cette fin? Bah écoute, moi, j'ai bien apprécié. Hein. Finalement, c'était un père qui aimait sa fille et qui voulait tout faire pour la sauver. Donc, bon, je comprends Walls, quand même, hein. Par ah ouais, contre, ça va, Mia, stylé. Où est-elle? Le combat final sympa, malgré le passage à la flèche. Alors par contre, le combat final, je sais pas si on a tout bien fait, mais... mais on l'a fait. Ouais, c'était très stylé avec toutes ces phases, quatre phases avec Walls, hein, finalement. Bah clairement, la phase où on l'a fait à l'arc, je pense que c'était pas fait pour, mais sinon le reste, oui, c'est bon, je pense. Ouais, je pense que sinon le reste, c'était pas mal. Mais non, mais par contre, le jeu était très stylé, moi j'ai kiffé cette aventure, hein. Juan Rayner garantit la vérité et la justice pour tous. Ouais, sauf si on vous entend dire le nom de Jack à voix haute. Alors c'est une balle dans la tête, je vous le garantis. Tu bois quoi? La bière, mais seulement si elle a des bulles. Pas mal. Un paquet de Baines. Pour Jack Ma. C'est trop tard. Jack est mort. Meyer dirige la ville. Jusqu'à ce qu'on lui plante un poignard dans le dos. Des gens de mon peuple sont passés ici récemment. Tu veux dire un pèlerin? Pourquoi tu demandes? Je recherche un ami. Je pensais le voir ici. Il y avait un pèlerin ici, mais il est parti. Il est où maintenant? Où la route l'a mené, comme vous tous. Est-ce qu'il a trouvé ce qu'il cherchait ici? D'après ce que j'ai entendu, oui. Sa sœur. Mais on raconte qu'elle était si faible qu'elle a survécu quelques heures seulement. Il est resté avec elle. Il l'a enterré sous un vieux chêne. Et puis il est parti tout droit vers l'horizon, sans même s'arrêter. Le pauvre gars. Sans lui, il ne resterait plus un seul bâtiment debout dans cette ville. Alors pourquoi il n'est pas resté? On raconte qu'il commençait à changer, qu'il prenait une drogue qui le détruisait. Les gens comme lui ont leur place sur la route. Habite.